Et c'est parti pour l'épisode 11. Par contre, ce coup-ci, on va passer de l'autre côté. On va passer par la grille ici. Donc il faut qu'on aille où ? Il faut qu'on aille deux cases à droite. Aïe, c'est vrai que je l'oublie à chaque fois, celui-là. Wow. On fait mal avec la nouvelle épée. Hop là, à 140. Oui. On fait nettement plus mal. Bon, et normalement, c'est ici qu'on peut descendre. C'est ça, juste là. Bon, je les tue quand même, ceux-là, ça fait un peu d'expérience, ça fait de l'argent. Hop là. On va descendre. Aïe. On va agresser direct. Encore une quête ici. Étranger, vite, j'ai besoin de ton aide. Quoi ? Quoi de neuf ? Les forces du feu éternel ont capturé Koldax. Ils tentent de le faire fondre. Le faire fondre ? Qui est Koldax ? C'est le dernier des élémentaires de glace de ce château. Tu dois empêcher son extermination. Un élémentaire ? Ok, ok. Où est-il, pardon ? Que puis-je faire ? Ils l'ont emmené par cette porte. Il doit être là-dedans. Ils doivent être en train d'essayer de le tuer d'une façon ou d'une autre. Ok, je vais aller voir si je peux le ramener. Amène-moi également un peu d'essence magique bleue. Je vais en avoir besoin pour lancer un sort de froid qui l'aidera à retrouver sa vitalité. Oh my god. 9. Et d'un. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Il nous faut une nouvelle baguette. En 9. Aïe, raté. Hop là. On va tout ramasser. Chaud comme ça là. Ouais, c'était pourquoi l'échelle? Ah d'accord. Wow. Vous auriez pu prévenir les mecs. Pas bête. 9. Non. Hop là. Raté. Ok, on a récupéré Koldax. Du coup, maintenant, je vais me mettre à taper tous les murs. Bon, espérons que tu puisses le ramener. Le voici. Je l'ai trouvé à l'intérieur d'un chaudron bouillant. Ils ont tenté de faire fondre Koldax très lentement jusqu'à son extinction. Quelle horrible torture. Cet élémentaire est plutôt petit, non? Je m'étais imaginé une créature de 5 mètres. Il était beaucoup plus grand, mais il a perdu beaucoup de son essence à l'intérieur du chaudron. J'espère pouvoir le sauver. Oh, Rache, Kolda, Madalech, Sorko, Do, Derakas. Ça a marché. Il semble avoir retrouvé un peu de force. Cependant, il ne sera plus jamais le même.
Étranger, puis-je te demander une dernière faveur ? Évidemment, laquelle ? Prends-le avec toi. Maintenant, il est trop faible pour faire face au danger par lui-même dans cet endroit. Alors qu'avec toi, il aura plus de chances de survivre et il pourra t'aider, en particulier contre les forces du feu éternel. Les attaques de froid ne se combinent pas bien avec celles du feu. Une attaque de froid éteindra une créature de feu, de même qu'une attaque de feu fera fondre la glace. Eh ben, d'accord. Emmenons Koldax. Hop, je suppose que tu es une bébête toi aussi. Assigner le raccourci. On va te mettre en Shift 6. Non, on va te mettre en Shift 7. Alors que toi, on va te mettre en Shift 6. Voilà, même si t'es mort. Toi, t'as plus de charge. Du coup, on va pas le sortir là. On va y aller à coup de 9 en fait. Hop, hop, c'est raté. Mince, 9 c'était quoi? J'ai pas appuyé sur 9, j'ai dû appuyer sur 8. Wow, 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 wow. Aïe, 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 aïe. Forcément, il est immunisé au froid. Bon. Voilà, on fait n'importe quoi là. Allez, contrôle 1. Hop. Ah, parfait, avec les élémentaires de feu, par contre, on s'est bien rechargé. Bon, on va peut-être corriger. Voilà. Par contre, il y a un serpent. Meurs, meurs, meurs. Alors, sans su dans l'eau, ne pas nager. T'es drôle, toi. De toute façon, on est obligé de passer par la flotte. On va y aller à coup d'épée. Ça marche bien. Oh, fourbe la fougère, là, dans la... J'ai pas de sangsue, non. Parfait, niveau fougère, on est bon. Alors, ça descend, ça descend. Ok. On va remonter. Aïe, bon, trop tard, je me suis fait geler. Hop, on le tire. Ah, parfait, ça marche bien le feu a priori. Et Zera, je viens juste d'avoir une idée pour t'expulser de mon corps. Le suicide? Mais non, idiot, une manière où je n'ai pas besoin de mourir. Comment? Quelle est cette idée? Dis-moi. Voyons voir, quand tu m'as trouvé, tu étais une espèce de fumée noire, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, mon corps possède une issue de secours pour les gaz. Quoi? Comment est-ce possible? De quelle sortie parles-tu? Je ne la trouve pas. C'est un petit trou dans la partie arrière, là où mes jambes rencontrent le haut du corps. Ton anus, tu te moques de moi? Ouais, le trou de balle. Je pense que si je pète assez fort, tu pourrais être expulsé. Par contre, si je pousse trop fort, tu pourrais être entouré d'un champ de force. Ah là là. Ce n'est pas drôle. Si, moi je trouve plutôt. On va attendre que le serpent repasse. Bonjour. Mince. Mais... Ah, ça m'agace de me tromper de touche. Ah oh bah, quitte à être là. Je devrais pas mettre les boules de feu et la téléportation sur le 1. Du coup, on va reprendre celle du milieu. Toujours le même piège.
Sérieux, je le fais exprès, là. C'est pas possible. Allez, on est reparti, on va y arriver. Je suis sûr que vous pensiez tous que j'allais le prendre. Allez. Donc, normalement, c'était deux à droite. Allez, meurs. 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 On ramasse. Ça fait toujours des pièces d'or à vendre. Enfin, des pièces d'or une fois vendues, pardon. Hop là. On pourra s'acheter la téléportation vers la cuisine. En parlant de cuisine, il faudra qu'on y repasse, hein, histoire de faire des potions. Je suis pas chaud, là. Hop. Meurs. Là, il y a une autre option pour descendre, qui est l'option à l'arrache. Hop là, ça marche. On va descendre par là. Hop là. S'en suit dans l'eau, ne pas nager. Ah oui, ah oui, pas bien. Hop là. À moi. Et ça, ça devrait t'achever. Bien. Tire, à moi. Allez, meurs. Là, il y a de l'eau, et là, il y a un trou. A priori, ça descend, mais on peut aller à gauche aussi. On va voir. Hop, on allume. Moi, j'ai bien fait de venir là. Et là, on peut que tomber, d'accord. Alors, hop, hop, hop. On va aller déverrouiller la grille avant de faire une autre bêtise. Voilà. Ici, ça remonte. Allez, meurs. Ici, il faut une clé, a priori. Là, on peut descendre. On va aller là-bas d'abord. J'ai eu chaud, là. Me voyez plus en bas que ça. Là t'arrives pas à le cibler. Il me manque une lumière à allumer ou ça? Ah là. Ici tout est bon. On a bien fait de venir ici, il y avait une porte. Bague du boucher, parchemin d'illumination. Alors qu'est-ce que ça fait que tout ça? Bague du boucher, dommage avec les haches. Ok. Allume toutes les torches et lampes dans la salle. Ouais, pourquoi pas. C'est vraiment superflu ça. Vu qu'on le fait nous-mêmes. Allez. Hop. Et on est où là? Ok.
Mais encore. Ah si, ça y est, je repère. Hop, on peut descendre là. Mais oui. On va attendre. C'est forcé que le serpent l'ait tiré. Allez, on va essayer de... Et voilà. Alors, on a encore une connerie dans l'inventaire. Hop. Ah, par contre là, ça passe pas. On va passer par là. Je pense que les égouts, on a bientôt fini. Du coup, faut tomber. Parce qu'ici, on a tout fait. Ici, il reste quelque chose. A priori, oui. On va d'abord tuer ça. Allez, meurs. J'ai réussi à choper 300 sus d'un coup là. Hop. Du coup, il me manquerait une lumière ici. Ah, j'ai déverrouillé la porte. Ici aussi, il me manquerait une lumière. Je pense que c'est là-haut. Je suis pas convaincu. Si je saute là, ça va. Ramasser tout ce qui traîne. Hop. Je sais pas à quoi servent les morceaux de tentacules, mais on en a plein. Raté. Allez, on va enlever la... Je ne voulais pas faire ça. Je pense que vous l'aviez deviné. Pas grave, maintenant qu'on a la grille, c'est celle de droite, je pense. Ouais. Alors. Du coup, on va essayer de tomber sur le deuxième. Hop, hop. Ouais. Je pensais bien que ça passerait pas. C'était là qui nous manquait. Hein. Parfait, un marteau. Alors, on meurt. Et là, on a de quoi passer là-bas. Sauf si on se rate comme moi. On sait qu'il nous manque quelque chose. Là, je rêve pas, hein. Ah non, celle-là, elle est bonne. Ça va être ici qu'il nous manque quelque chose. Eh ben, pas là, a priori. Où c'est qu'on a oublié d'allumer quelque chose? Bizarre ça. Il y aura un passage secret quelque part. Bon ben, on va se servir du... Là-bas, d'accord.
Tu as allumé toutes les lumières des égouts. Eh ben bien. Ah, du coup, on va se faire un petit shift 1. Il faudrait qu'on reparte valider les quêtes. Ça va être ici, à celle de gauche. Hop. Et normalement c'est un à gauche et on peut descendre. On va lui valider celle à Maître Yoda là. Parfait, parfait. Maintenant je peux faire du thé. Mille merci étranger, que la chance soit avec toi. Tu n'oublies pas quelque chose ? Oubliez quoi ? Mes pièces. Pièces ? Quelles pièces ? Je ne m'en souviens pas. Ah bon ? Peut-être qu'une paire de claques t'aiderait à te souvenir. Ah oui, je m'en rappelle maintenant. Voici tes pièces. Parfait. Et on va aller voir la statue. On va lui faire la statue. Ma statue est finalement créée. Ombre, tu as démontré que tu mérites d'être initié à l'art de l'eau et de la glace. À partir de maintenant, tes yeux vont comprendre les livres de magie bleue qui sont éparpillés dans tout le château. La magie du froid a été ajoutée à la page de ton personnage. À partir de maintenant, tu es en mesure d'utiliser les sorts de froid et d'améliorer cette aptitude. La magie du froid, parfait. Hop, on va recopier ça. Sortilège. On va le mettre en assigné contrôle 2. Et ça, on pourra vendre. Le marteau, on ne pourra pas le porter. Voilà. On va rentrer. Et voilà, sauvegarde. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 11. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 12.